Donc on est suisse, soirée québécoise, Paris. On a... Nous, on nous a dit venez faire un sketch à l'Olympia. On dit, parce qu'en Suisse, on connaît l'Olympia, c'est connu. Et on s'est dit, on préfère un sketch. Nous, on essayait d'être super drôle. Et puis, nous, on fait des sketchs chez nous. Et pas trop à l'Olympia, en fait. Faut pas beaucoup à l'Olympia. Alors, on connaît des sketchs super drôles, mais c'est pas nous qui les avons faits. Alors, on va faire un sketch de quelqu'un d'autre qui a déjà fait l'Olympia. Ah, ça, c'est une bonne idée. Hein? Ça, c'est une bonne idée de faire quelqu'un qui a... Ouais, ça se joue, on fait ça? Oui, enfin, un sketch pas de nous, alors. Super, ça, c'est une bonne idée, un sketch ça. De quelqu'un qui a déjà fait l'Olympia. C'est bon, ça, ouais. C'est une bonne idée. Un sketch de Fernand Reynaud. Ah, ça, c'est bon, j'adore Fernand Reynaud. C'est bien, c'est jeune. C'est... Le sketch du plombier. Ah, j'adore. Et je le connais pas, moi. Non, mais c'est moi qui le fais. Toi, tu te mets sur le côté, et puis ça ira comme ça. Ah, oh, bah, ça valait la peine de venir. Et comme ça, on assure donc le sketch du plombier de Fernand Reynaud. Super. Vas-y. Oui, vas-y. Donc le plombier de Fernand Reynaud. Super. Bien fait de venir. Vas-y. Hop. Ding dong. Qui c'est? Et tu fais quoi là? Le plombier. Ah, or t'as pas dit alors, hein? Oui. Mais j'ai pas besoin de le dire puisque je le fais, ça se voit. C'est le plombier! Ben, tu vois que tu le dis, tu dis, y'a pas besoin de le dire, après tu le dis, faudrait savoir ce que tu dis alors. Oui, mais je le dis pas au public, je le dis au perroquet. Ah. Bon, le plombier de Fernand Reynaud. Ding dong! Hé, ton plombier, il a pas une caisse à outils? Alors ça, j'ai jamais vu, moi! Plombier qui a pas de caisse à outils. Un plombier a toujours une caisse à outils, non? Même s'il est à l'Olympia. Le plombier, il arrive avec la caisse à outils. Et dans sa bagnole, qu'est-ce qu'il a dans sa bagnole, la caisse à outils? Il ouvre le coffre, il prend la caisse à outils, il referme le coffre, qu'est-ce qu'il fait? Il monte l'escalier, qu'est-ce qu'il a dans la main? La caisse à outils, à la limite, il veut sonner, il pose la caisse à outils, il sonne, mais après, il reprend la caisse à outils. Moi, j'ai jamais vu un plombier qui a pas de caisse à outils. Hein? Oui, il a la caisse à outils, parce que de toute façon, c'est la mouche à bœuf qui a téléphoné, il dit bonjour, monsieur plombier, j'ai un problème avec ma baignoire, venez réparer ma baignoire. J'ai pas le temps, madame mouche à bœuf, je vais venir aujourd'hui. Elle dit, mais c'est pas grave, je vous pas, vous venez un autre jour, moi, je profite pour aller faire des commissions, donc elle est sortie de elle pour aller faire des commissions, mais elle a dans son appartement, père, parce que madame Mouchabeuf, elle possède un père, ok, montre-nous le premier, c'est ce que je suis con, j'en ai tué créatif, madame Mouchabeuf, c'est un autre chantier, j'en ai réparé le tout qui est dans sa baignoire, j'en aurai pour 5 minutes, comme ça, elle ne mettra plus, donc forcément, quand il arrive, ben, il a une caisse à outils. Elle est où cette caisse? Il la tient dans la main. Ah bon, dans quelle main? Dans celle-ci, parce qu'il a besoin de celle-là pour sonner. Je la vois pas, cette caisse. C'est du mime. Ah, c'est une question de mime, alors oui. Je connais, moi, le mime. Ding dong. Il est où maintenant, la caisse? Mais là, je l'ai posée à côté du plombier. Ah, mais je la vois pas, il est où, le plombier? Mais là, devant toi. Mais non, toi, t'es là-bas. Non, moi, je suis le perroquet. Mais avant, t'as dit, je suis le plombier. Non, mais avant. Mais là, c'est la partie du perroquet, là, c'est la partie du plombier. Entre les deux, ici, il y a un mur, ils peuvent pas se voir. Ah, il y a un mur? C'est clair pour tout le monde, ça, ou bien? Oui, je pense, hein. Et ici, je fais une porte, là, comme ça, ici, là. Mais bien sûr, tu la fais comme ça, parce que tu joues face au public. Mais après, on peut très bien imaginer, il y a un couloir, fait le tour du mur, là, puis il vient ici vers le perroquet, hein. Je suis pas un imbécile, hein, moi, parce que je suis, que je suis plus con que les autres, hein, quand même. Vas-y. Ding dong! Tu traverses le mur. Mais non, je traverse pas. Oui, j'ai dit qu'il y avait un mur, mais je passe forcément, mais je traverse. Oui, je traverse là où. Mais non, mais c'est une convention. C'est quoi cette convention? C'est une convention théâtrale. Mais ils l'ont pas signée, ta convention théâtrale. À partir du moment où on accepte d'acheter un billet de théâtre, ça veut dire qu'on est d'accord avec les conventions qui sont en vigueur. Voilà, point barre. On va acheter le billet. Hein. Ding dong. T'as marché dans la caisse là. Non, t'as mis le pied, attends, mais alors... Attends, ouais. Attends. Le plombier de Fernand Reynaud. Attends, efface tout. Voilà. Le plombier de Fernand Reynaud. Voilà, j'arrive. Là, j'ai une caisse, d'accord? Gling, 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 c'est du mime. Tu la vois, il y a une caisse. Il y a une caisse, il y a une clé, il y a une clé à molette, il y a tout ce qu'il faut dedans. Tu vois, alors, poc, voilà. Il y a une porte.
Madame Mouche à Bœuf, c'est la bonne porte. Ding dong. C'est une sonnette. Ding dong. Quand je presse ding, quand je lâche dong. Hop, hop, oh, il y a un mur. Frutch. Je fais le passe-muraille, voilà. Là, il y a un perchoir, alors flop, 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 je me pose dessus. Voilà. Il y a une petite chaînette, cric-crac, je l'attache à la patte parce que je suis un perroquet. Qui c'est? Alors là, cric-crac, voilà, flop, 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 frutch. Hop, hop. C'est le plombier. Hop, hop. Frutch, flop, 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 cric-crac. Qui c'est? Cric-crac, flop, 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 frutch, hop, hop. C'est le plombier. Hop, hop, frutch, flop, 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 cric-crac. Qui c'est? Cric-crac, flop, flop, frutch, hop, hop. C'est le plombier. Hop, hop, frutch, flop, flop, cric-crac. Qui c'est? Cric-crac, flop, flop, frutch, hop, hop. C'est le plombier. Hop, hop, frutch, flop, flop, cric-crac. Qui c'est? Flop, flop, flop. T'as pas fait cric-crac. T'as pas fait cric-crac. T'es descendu du perchoir, t'as pas fait cric-crac, mais t'imagines la pauvre bête, tu descends du perchoir sans faire cric-crac, mais ça y arrache la patte! Attends, 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 attends. Mets-toi là. À partir de maintenant, c'est toi qui fais le perroquet. Donc on va faire le sketch tous les deux. Le plombier de Fernand Reynaud. Le plombier de Fernand Reynaud. C'est ça, donc c'est parti, on y va. Hein. Donc c'est parti, on y va. Hein. Technique, c'est bon, on y va. C'est bon, on y va. Ding dong. Ding dong. Mais pourquoi tu fais ding dong? Pourquoi tu fais ding dong? Parce que je suis le plombier. Parce que je suis le plombier. Non, t'étais le perroquet. Arrête de répéter tout ce que je dis. Arrête de répéter tout ce que je dis. Oh, c'est bon, allez, stop. Non, on arrête, stop. On arrête, bon, on arrête, allez, stop, stop. Non, c'est moi qui dis noir. C'est moi qui dis noir. C'est moi qui commande, noir. C'est moi qui commande, noir. Mais noir, maintenant. Mais noir, maintenant.